Bonjour, hello, buenos dias. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vers vous pour une vidéo qui sera très intéressante pour tous les étudiants qui comptent continuer leurs études ici en France et qui suivent la procédure Campus France. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'entretien Campus France. Donc l'entretien Campus France constitue l'une, et je le souligne très bien, il constitue l'une des étapes primordiales pour la réussite de votre projet d'émigration depuis votre pays vers la France pour continuer vos études. Donc attention, je ne suis pas en train de vous dire là que si vous ratez l'entretien Campus France, vous avez tout raté, vous avez raté le visa, vous avez raté vous avez raté votre projet tout en entier. Non. Mais vous pouvez rater la continuité de votre projet si vous ratez cet entretien. Donc attention, attention, attention. Préparez-vous bien, soyez sérieux, c'est votre projet. Donc soyez sérieux, prenez-le en main, soyez sérieux, soyez bien organisé, soyez surtout toujours positive, gardez un petit peu d'espoir et je vous le jure, vous pouvez y arriver. Je suis passée par là et je vous le dis. Donc, comme vous savez, quand vous remplissez tout ce qui est dossier Campus France via le pastel diplomatie et vous soumettez le dossier, donc, n'est-ce pas le dossier de Campus France, avec la plateforme de pastel diplomatie ou Campus France, donc Campus France, elle va le vérifier et elle va le valider. Et une fois votre dossier est validé, donc avec tout ce que vous avez soumis, les scans et tout ce que vous avez soumis dans le dossier et tout ce que vous avez rempli dans le panier de formation, donc Campus France va vous envoyer un mail comme quoi vous devez prendre un rendez-vous pour l'entretien Campus France. Donc ce mail-là, donc, ils vont vous dire comme quoi vous devez passer maintenant, vous devez passer à l'étape de prise de rendez-vous de l'entretien Campus France. Donc, ils vont vous envoyer comme quoi, bonjour, avec prénom et nom, l'étude de votre dossier de candidature nécessite un entretien avec un conseiller Campus France. Pendant cet entretien, vous pourrez présenter votre projet de formation, votre expérience professionnelle ou associative et votre projet d'études en France. Votre entretien doit avoir lieu dans les 15 jours de la réception du message vous autorisant à planifier un entretien cordialement. Donc c'est ça le mail que vous allez recevoir une fois ils vont vérifier votre dossier via le pastel diplomatie. Donc une fois vous recevez cet entretien, donc vous devez passer à l'étape de prise de rendez-vous. Donc qu'est-ce que le pastel diplomatie, c'est-à-dire la partie de l'accueil, غادي تلقاو واحد البلاصه فيها les créneaux de la prise de rendez-vous Campus France. Donc, une fois que je vois donc les créneaux, alors le malade qui court les surcharge, où je vous l'ai dit, ne stressez pas. Alors, vous avez droit de passer l'entretien Campus France parce que vous avez payé 1910 dirhams. Vous n'avez pas payé les 1910 dirhams pour ne pas avoir un rendez-vous Campus France. Donc, vous avez le droit, mais quand même, ne baissez pas les bras. Radit Féroce Bakri, très tôt, vous allez vous réveiller très tôt. Ou là, vous allez le faire vers minuit à quelques, vous allez prendre un rendez-vous et vous allez le trouver, Inch'Allah. Donc, juste ne baissez pas les bras et ne stressez pas. Vous avez droit à cet entretien. Donc, une fois que tu as tout, tu as les créneaux disponibles. Là, tu peux voir les disponibilités de l'alcool. Voilà, les horaires de l'alcool ou de l'exchi. Tu as tout le rendez-vous de l'alcool. Donc, là, une fois que tu as tout le rendez-vous, Red à Campus France, c'est comme la convocation. Cette convocation, elle contient la date de l'alcool de le rendez-vous avec l'horaire exact et tout. Ok, comme quoi vous allez vous présenter, donc ce qu'on dit les originaux de l'alcool, ou ce qu'on dit avant de l'entretien, bien sûr, toujours avant de le rendez-vous, comme à faire, ce qu'on dit 30 minutes minimum. Donc voilà. Donc une fois que vous avez la convocation de l'entretien, donc elle dit qu'elle va se faire jouer. Attention, elle dit que vous allez faire un dossier. Imprimez-le. Même la plateforme d'Alcom Pastel Diplomatie, Radine, vous allez l'imprimer et vous allez la mettre dans un dossier comme ça. Ok? Donc là, elle dit que la convocation qui concrète le Pastel Diplomatie,
وهذه غادي نيت امبريميوها vous allez la garder vous allez garder la copie téléchargeable هذيك vous allez la télécharger elle est téléchargeable vous allez la télécharger vous allez la garder dans un dossier parce que vous en aurez besoin pour la procédure consulaire inchallah si vous êtes accepté pourquoi pas donc tout ce que Campus donc en parenthèse tout ce que Campus vous envoie comme document vous le gardez vous le téléchargez et vous le gardez dans un dossier que vous nommez Campus France ou tout ce que vous voulez mais vous le gardez ok donc c'est ça l'organisation on passe à la deuxième étape donc là vous avez votre convocation vous avez donc une question de convocation là qui est il faut comme l'horaire là ça ou les choses qui a c'est comme un mail comme quoi donc il vous rappelle l'horaire de l'entretien de l'com qui est les com qui est les com de jour avant l'entretien avant le jour de l'entretien mais chez Crocom mais là il y a comme l'entretien l'horaire donc il vous envoie nous vous rappelons que votre rendez-vous pour entretien candidature et préconsulaire est prévu nanana. Lieu Campus France Maroc antenne ouest de Casablanca ouest de Ada OK donc on passe à l'adresse comme quoi les que tu voilà donc tu as fait top finkina l'adresse de l'espace Campus France OK donc on couche donc voilà là je sais pas tout ce qui se passe parce que moi je vous parle de la procédure donc d'hier l'année dernière là je sais pas si c'est en visioconférence mais sachez que c'est presque la même et dit marie comme un rappel dit marie comme donc tout ce qu'il faut. Et je ne sais pas si vous aurez une convocation ou pas dans le cas de la pandémie de la COVID-19. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais en tout cas, je vais vous donner mon expérience. Je vais vous donner un peu de temps. Je vais vous donner un peu de temps. Je vais vous donner un peu de temps. Je vais vous donner les fautes de l'Ali. J'étais un petit peu mal organisée. J'étais là. Mais je vais récupérer assez de temps. C'est pour ça que je suis arrivée là où je suis. Alhamdoulilah. Donc voilà. Donc une fois. Qu'est-ce que les comme les convocations, qu'est-ce que l'étape de préparation. Donc à l'étape de préparation, je peux pas vous donner le chemin que vous allez suivre. Vous êtes quand même, vous êtes majeur et vacciné. Je vais pas vous dire les clés de la réussite de Campus France comme dans plein de vidéos, parce que les clés c'est vous, c'est vous, c'est à vous de trouver ces clés de réussite de votre entretien Campus France. Parce que c'est vous qui savez votre parcours, votre cursus. C'est vous qui savez comment vous pouvez valoriser votre dossier Campus France. Et c'est vous qui savez très bien comment stimuler votre cerveau pour pouvoir réussir cet entretien. Mais à la Técom, tout simplement, je vais tout simplement me contenter de vous donner les étapes que moi-même j'ai suivies pour réussir mon entretien. Et après, c'est à vous de le faire selon ce que vous voulez. Vous êtes majeur et vacciné. Donc voilà. Donc, première étape, on a qu'on trouvera les mohima. Il y a ce qui est tout ce qui précède la préparation de l'entretien. Donc, tout ce qui est pré-préparation de l'entretien. Donc, la phase de pré-préparation de l'entretien, on a qu'on se dit que c'est la psychologie. Parce que nous, je ne vais pas parler des Marocains, je ne vais pas. Nous, les êtres humains, nous, les étudiants, nous avons. Il y a toujours des notions qui nous effraient, des notions qui nous font peur, notamment la notion d'entretien. Rihna, surtout les étudiants, Rihna, c'est mal l'entretien. Oulala, qu'est-ce que je vais faire? Oulala, est-ce que je vais réussir cet entretien? Oulala, est-ce que j'ai toutes les compétences pour le faire? Oulala, je vais. Oulala, c'est bon, je vais me bloquer. Je suis sûre que je vais me bloquer au cours de l'entretien. Donc arrêtez de complexer les choses, arrêtez de bloquer, arrêtez de bloquer à cause de cette notion d'entretien. Donc arrêtez, jouez sur votre psychologie. Dites-vous, donc si vous êtes dans la place que vous voulez faire, voilà, qu'ils sont dans la place que vous voulez faire, c'est une chose que vous voulez faire. C'est une place que vous voulez faire, qui inspire vous. Gissou fiha wa hadrou ma'a raskoum. Goulou, l'entretien, c'est rien du tout. L'entretien, c'est juste un échange. Un petit échange entre deux personnes ou plus qui vont parler, qui est autour soit d'un projet professionnel, soit d'un projet d'études, etc. Et je vais le faire. Et je vais réussir mon entretien. Et je vais faire tout mon mieux pour valoriser mon dossier.
et je vais faire tout ce que je peux pour que mon dossier soit le meilleur. Je vais utiliser tout ce que je peux utiliser comme paramètres et comme critères pour réussir cet entretien. Donc tout se passe ici, psychologiquement parlant. C'est ça la première étape que moi-même j'ai suivie. Donc jouez sur votre psychologie et arrêtez de lier cette notion d'entretien à une notion qui vous fait peur et qui vous stresse. Non, arrêtez. L'entretien, c'est un échange. L'entretien, c'est un petit échange. Comme quand vous partez avec... donc, vous avez un rendez-vous comme ça dans un café et vous parlez, vous échangez. Sauf que dans un café, peut-être c'est amical. Mais peut-être là, dans un entretien, c'est un peu professionnel. Mais c'est pas grave. Tout ce qui change, c'est un petit peu la stratégie. C'est comment on va approcher cet entretien. Et vous pouvez le faire. Si vous pouvez soumettre tout un dossier aux universités, c'est que vous pouvez faire un entretien. C'est pas grand-chose. Ok? Donc là, vous simulez votre cerveau. Parce que notre cerveau, on peut le simuler dans le sens qu'on veut. On peut l'orienter comme on veut. Si on veut l'orienter dans le sens de l'échec, de « tu ne peux pas le faire », on va l'orienter. Mais si on veut l'orienter dans le sens positif, on peut le faire. On peut le faire. Voilà, donc c'est ça la première étape. Là, je passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la préparation. Là, on va commencer. C'est bon, on n'a plus peur de l'entretien. On n'a plus peur de cette notion d'entretien. Là, on va commencer le travail. On va travailler sur nous, sur nos compétences, sur nos savoir-faire, sur comment on va parler, comment on va communiquer durant l'entretien. Donc là, première chose, il y a la préparation. Vous allez vous connecter dans votre espace Campus France, Pastel, Diplomatie, et vous allez prendre des feuilles comme ça, ou des... comme vous voulez. Vous allez prendre des feuilles et vous allez prendre un stylo et vous allez comme ça être focus devant votre dossier Pastel Diplomatie avec toutes les étapes là, les dossiers scannés, tout ce que vous avez fait. Ou tiers d'où les feuilles, ou tiers des stylos, ou tiers d'où fluorescent. Ou radin, c'est pas ce que tu veux. Avec le dossier. Bleu point, coule hache. Le parcours d'Yali, je me drite fille avec le pastel diplomatie. Ok. Je nous les dossiers. Radin, tous les documents scannés canine. C'est que tu par exemple, bac. Ok, j'ai mis bac. J'ai mis tronc commun, j'ai mis première année, j'ai mis master 1, ok, tout ce que j'ai mis, ok, j'ai mis aussi un CV, ok, j'ai mis les lettres, ok. Voilà, vous allez écrire tout ça. Vous allez commencer par les documents scannés, tout ce que vous avez scanné, tout ce qui est téléchargeable et tout ce que vous avez scanné dans votre dossier. Vous allez mettre une flèche, vous allez tout assembler avec un stylo rouge et vous allez mettre une flèche ou document original. Ok? Parce que et donc le document original, vous m'allez redire le bon. Allez, j'ai comme là-dedans. Mais bête, redire tous le panier de formation d'Yelko. Ou redire ce que l'intitulé. Chaque formation que vous avez choisie, avec le nom de l'école, avec la ville de l'école ou de l'université, ou redire ce tableau, c'est à vous de gérer les choses comme vous voulez. Mais Anna, je vous donne juste un conseil. Radio un tableau, ou radio les formations choisies, ou radio ce que vous l'intitulez, donc vous l'intitulez, vous revisiter avec le dossier d'Alcon Campus France, leader sur le passé diplomatie. Donc une fois, radin ouhetchi, radin tchdo fluorescent, radin marquer avec l'écriture sur faire original, ou radin marquer les intitulés ou les villes ou les noms des universités. D'abord, deux étapes. D'abord, ouhetchi, c'est déjà très bien. Déjà, c'est excellent. C'est parfait, ça a marché pour moi.
et je crois que ça marchera pour vous. Mais c'est à vous de faire les choses comme vous voulez. Donc là, les noms, les documents, les scanner tout. Un dossier comme ça. Vous allez l'ouvrir. Vous allez imprimer vos dossiers. Et donc les documents qui aiment l'exception, vous allez télécharger soit le passé diplomatie, soit vous l'avez déjà fait le PC. Vous téléchargez vos dossiers. Un dossier fait le PC, vous allez mettre au dossier documents originaux. Donc là, si vous avez une imprimante, c'est parfait. Donc là, rédigez-vous un dossier comme ça. Vous rédigez-vous donc les documents scannés originaux. L'original de l'bac, l'original de tout ce que vous voulez. Ok? Rédigez-vous le dossier, vous rédigez-vous. Parce que le dossier, attention, vous imprimez aussi la convocation et vous la mettez avec ça. Ou vous fermez le dossier comme ça et vous le déposez. Donc là, vous avez réussi la première étape d'elle, la gestion de la préparation de votre dossier, de votre entretien Campus France. Là, on passe au sérieux. On prend les choses au sérieux et c'est très facile. Là, on doit maîtriser tout ce qu'on a choisi dans le panier de formation. Donc la première chose, on va prendre toutes les villes qu'on a surlignées avec le fleurissant ou tout ce que vous voulez. On va chercher la situation géographique de chaque ville et de chaque université et chaque école qu'on a choisie. Elle est située où? Dans quelle ville? Cette ville est située où? Au nord, au sud ou exactement en France? Parce que ça peut vous être demandé lors de l'entretien. Donc, entrez sur Google, l'écrit fait les Google Maps. On cherche les villes, la situation géographique d'Alhon, on l'arde une feuille, ou là on le retient juste à... Mais c'est mieux d'arde une feuille. Parce que si, comme ça, lesquelles vous êtes les villes différentes, d'arde une feuille, tout bon. Allez, j'ai les Hauts-de-France, le Nord, ok, Valenciennes, j'ai les Hauts-de-France, ok, Paris, Lille, j'ai ok, Marseille, j'ai le Sud, ok, qu'est-ce que l'université Finjet. Juste des références, petites références, je clique en... Mais juste quelques références, si jamais c'est demandé. Parce que normalement, on ne va pas postuler à des universités, à des écoles, alors qu'on ne sait pas c'est situé où. Logiquement pas, vous savez. Donc, donne la situation géographique, donne la c'est-à-dire la première étape, il y a la maîtrise, il y a le parcours, il y a le panier de formation. Donc, il y a un dossier. Donc déjà, c'est bien. D'abord, nous avons les formations eux-mêmes. Donc, les noms des universités, par exemple, l'université valencienne, ça a fait un parcours économie. L'université valencienne, parcours économie. Rentrons le parcours les formations qui sont. Ou rentrons le descriptif. On va prendre une feuille, on va écrire les modules principaux. Les modules qui sont le parcours. Mais au moins, les principaux qui sont le parcours. N'ardez une idée de quoi il s'agit ce parcours, parce qu'on ne peut pas postuler à quelque chose qu'on ne sait pas, alors que ça doit être demandé dans l'entretien. Au cas de club généralement. Donc voilà de quoi il s'agit ce parcours. Nous allons résumer de quoi il s'agit. Juste trois lignes. Module. Non, juste les modules principaux avec de quoi il s'agit, avec les débouchés. Les débouchés, c'est-à-dire après le parcours, il y a les carrières que tu peux intégrer à travers ce parcours-là. Donc voilà, pour chaque formation. Pour chaque formation, on trouve le site de l'université, parce qu'il y a le descriptif de la formation que vous avez choisie. Et vous allez faire, donc vous aurez 7 résumés des 7 formations que vous avez faites, avec les débouchés, donc ce que vous pouvez faire comme carrière, avec un petit peu les modules principaux, les noms, les intitulés, les modules principaux, ou les séminaires principaux s'il s'agit des universités, etc. Donc voilà, résumé. Donc, la situation géographique, les écoles, les villes, ou le descriptif résumé de chaque formation que vous avez choisi dans le panier de formation. Donc, c'est top. Avec les originaux, déjà c'est top.
Donc là, c'est top. Donc vous avez joué sur votre psychologie la première chose. Après, vous allez encore, une chose que j'ai oubliée, vous devez être présentable, bien présentable. Parce que vous ne pouvez pas aller dans un entretien qui est parmi les étapes primordiales de votre projet d'études et même de votre projet professionnel avec un style non soigné. Vous devez soigner votre style. Vous n'allez pas partir en entretien avec un style rock ou un style pop. Là, vous le gardez pour les soirées, pour tout ce que vous voulez faire, pour le festival, mais pas pour l'entretien Campus France, ok? Donc ça, qui est comme la psychologie, et puis là, vous devez être présentable, physique bien soigné. Ok? Et après, randouzou, les feuilles, il y a qui vous feront tous les documents, les scalénas, bêche, radis, imprimeront avec la convocation, et on la met ici, et on ferme le dossier. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On prend la situation, on cherche la situation via Google Maps ou tout ce que vous voulez, vous cherchez la situation géographique de chaque ville, de chaque université, brièvement parlant. Ok? Vous n'allez pas faire une enquête policière. Ok? Et après, on prend la dernière étape où vous maîtrisez votre panier de formation. Comment faire? Vous allez faire une recherche dans le site de chaque université ou chaque école que vous avez suivie, choisie dans le panier de formation. Alors, vous allez écrire les débouchés en général, les débouchés de chaque formation, le descriptif de quoi il s'agit, cette formation en 3 lignes, même pas, et les modules principaux, 2 ou 3 modules. Ok? Donc là, c'est les étapes. Ça peut vous inspirer. Voilà, ça peut vous inspirer. Je ne vous oriente pas. Vous avez majeur. Et même si vous êtes mineur, vous pouvez vous orienter vous-même. Mais c'est des conseils, d'après mon expérience, des astuces qui peuvent faciliter cette phase de préparation de l'entretien Campus France. Donc là, vous êtes dans l'entretien. Je vais parler de mon expérience. Donc là, quel fut l'entretien? Vous allez dans l'adresse de l'espace Campus France ou là, si vous avez un entretien visioconférence. Ok? Donc, quel est l'entretien? C'est facile. Je vous rappelle, avant de rentrer, ou là, je vous dis d'un entretien visioconférence, je ne sais pas comment ça se passe dans cette pandémie, mais voilà, souriez, gardez votre sourire. Ok? Et rappelez-vous bien, l'entretien n'est qu'un échange pour valoriser. Mais il ne faut pas le réduire à un simple échange, mais ça va valoriser un échange qui valorisera votre projet d'études et votre projet professionnel. Donc, un a généralement. Première chose que je voulais comme les origines, que je voulais comme un dossier. Donc, que je voulais comme dossier d'elle, comme tout ce qui se fait. Donc, je ne sais pas comment ça se passe en visioconférence, mais généralement, d'abord, il ressemble que je voulais les origines. Et puis, j'ai oublié de chercher dans le dossier. Donc, avec la convocation, avec tout ça, première chose, vous vous présentez-vous. Et tout se passe avec la présentation. Donc, quand vous vous présentez, essayez de vous valoriser. Ok? Essayez de vous valoriser. Valorisez votre dossier. Valorisez votre parcours. Valorisez votre parcours fait au Maroc. Et également votre parcours que vous comptez faire en France. Attention de tomber dans cette erreur. Attention de tomber dans l'erreur de dire « Ah ben mon parcours que j'ai passé au Maroc, c'était pas très intéressant, du coup je compte faire un parcours en France. » Ben non, ça marche pas comme ça. Valorisez votre parcours que vous avez fait au préalable également. Parce que si vous n'avez pas fait ce parcours au préalable, vous ne seriez pas apte de poser une candidature pour continuer vos études en France. Donc, soyez intelligent. Donc, voilà. Je suis mademoiselle Sarah, actuellement étudiante à l'université. Donc, je suis... Valorisez le parcours d'IALCOM que vous avez fait au préalable. Valorisez votre parcours qui a été fait au Maroc. Attention. Attention de le réduire à un petit parcours qui ne vous intéresse pas et que vous voulez fuir pour partir en France. Valorisez les deux.
le projet que vous avez fait au Maroc et le projet que vous continuez de faire actuellement et le projet que vous voulez faire en France après. Ok? Donc n'oubliez pas ça. Sinon, le responsable, la responsable qui est en train de vous faire un entretien, elle va se dire, bah, elle veut juste fuir la situation qui existe au Maroc. En fait, elle est pas stable au Maroc. Du coup, elle veut juste fuir cette situation. Donc valorisez votre parcours, valorisez qui vous êtes, et qu'est-ce que vous avez fait au préalable, et qu'est-ce que vous comptez faire après. Ok? Donc, une fois que vous vous présentez, essayez d'orienter la conversation comme vous voulez. Je vous le dis, vous êtes capable d'orienter la discussion comme vous voulez. Quand elle vous donne la permission de vous présenter et de vous continuer de vous présenter, ben vous avez tout le droit d'orienter la conversation dans le sens que vous voulez. Et même d'orienter les questions qui vous seront posées par le responsable. D'accord? Donc, orienter tout ce qui est projet professionnel ou tout ce qui est projet d'études. Ok? Comme ça, elle va vous poser des questions là-dessus. Donc, voilà. Et il faut maîtriser tout ça. Si vous maîtrisez donc les deux feux, les clés, vous avez tout maîtrisé. C'est bon. Vous avez tout maîtrisé. Donc, après, elle peut vous poser des questions. Moi, la dame, elle m'a posé des questions sur mon projet personnel, professionnel et mon projet d'études. Donc, pour présenter vos projets d'études, restons, vous devez expliquer tout simplement ce que vous comptez étudier en France et pourquoi vous voulez l'étudier. C'est tout. Donc, j'envisage de faire voilà, un projet professionnel, un projet d'études dans l'université. Voilà, vous expliquez, il s'agit de quoi, comme études, etc. Et vous orientez les choses comme vous voulez. Vous êtes capable de le faire. La communication a un pouvoir qu'on ne peut pas décrire. Vous pouvez le faire. Okay? Vous pouvez orienter dans le sens que vous voulez. Et après, le projet professionnel, il doit être... Attention, le projet d'études et le projet professionnel, ils doivent être un peu complémentaires. Complémentaires. Et vous devez citer en quelque sorte un des projets professionnel qui existe dans les débouchés des formations. Par exemple, moi, je bouge, il y a un an, la littérature, alors que je compte travailler dans l'informatique. Non, mais quand même, c'est impossible. Ça doit être la carrière que vous envisagez de faire, ça doit être quelque chose qui est en lien avec, pour Campus France, ça doit être en lien avec ce que vous comptez étudier. C'est ça la logique Campus France, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Pour le projet d'études, donc j'ai envie de faire sur Facebook, mais donc voilà, pour le projet d'études, attention de tomber dans cette erreur. Ne répondez pas à la question votre projet d'études, pourquoi vous voulez faire ce projet d'études à l'université par exemple de Paris-Saclay parce que mon frère est à Paris. Ben non, attention, le premier argument que vous devez présenter pour défendre votre projet d'études ou pour défendre toute question posée par votre interlocuteur, c'est le premier critère, ça doit être un critère qui concerne votre projet d'études. Un critère d'études, c'est-à-dire si je veux faire des études à Paris-Saclay, c'est parce que Paris-Saclay, ça m'intéresse, elle a des parcours qui m'intéressent, elle présente des parcours qui sont très intéressants pour que je puisse réaliser mon projet professionnel, mais pas parce que mon oncle vit à Paris ou parce que mon oncle est sur l'île, que je veux faire un projet d'études sur l'île, non. Donc, le premier critère, ça doit être un critère d'étude. Parce que sinon, elle dit que le responsable de l'entretien, elle va se dire, ben, il veut juste faire des études sur Paris parce qu'il a un frère sur Paris ou il a un oncle sur Paris. Ben non, c'est parce qu'il veut étudier sur Paris. Ou si vous voulez encore aller plus, goulou liha, le critère loul,
Et également parce que mon frère pourrait m'aider dans tout ce qui est, dans tout ce qui est, voilà, dans tout ce qui est inscription, dans tout ce qui est, voilà, vie étudiante, etc. Pour qu'il se dise, ah, il est intelligent. Quand même, il a présenté son intérêt, donc dans le sens d'études, avant son intérêt familial. Parce que sinon, c'est pas de l'immigration pour études. C'est de l'immigration pour motif familial, pour être à côté de son oncle ou de sa tante. Quand même, ok? Donc ça, c'est une question qui lui jette ni mon Facebook. Donc voilà, toujours valoriser votre projet d'études, avant tout. Valoriser votre projet d'études. Même si je connais tout le monde, c'est que tu as Paris, tu as des garants de Paris, etc. Mais valorisez d'abord le fait que vous avez choisi cette formation parce que cette formation est primordiale pour la poursuite de votre projet d'études et votre projet professionnel. D'accord? C'est ça le but. Donc, hetchiliken pour le projet d'études. Donc, valorisez votre dossier, faites tout ce que vous pouvez faire, défendez vos projets d'études avec des arguments pertinents qui concernent principalement vos études et non pas qui concernent parce que ou par exemple si elle vous demande pourquoi vous n'avez pas choisi Paris, pas parce que Paris est cher ou parce que Paris a pas ma famille, non. Parce que j'ai pas trouvé la formation, ce parcours exceptionnel, je l'ai pas trouvé. C'était pas vraiment quelque chose avec tous les modules qui m'intéressent. Il n'y avait pas à Paris en fait. Voilà, c'est ça. Toujours des motifs d'études. Soyez sérieux, soyez organisé, soyez bien motivé. Ne baissez pas les bras. Présentez des arguments logiques. Réfléchissez à tout ce que vous voulez faire. Avant de le dire. Donc, réfléchissez. Stimulez le sens, stimulez votre cerveau, orientez-le dans le sens positif et arrêtez de penser à l'entretien en tant que notion qui est notion effrayante et stressante. Et voilà. Si vous faites tout ça, vous allez réussir. Je ne peux pas vous le garantir. Tout dépend de vous. Je vous laisse. Je vous laisse tout le choix. Vous avez le choix. Soit de réussir et de faire tout ce que vous pouvez faire pour réussir. Et ça, vous pouvez le faire. Et soit vous baissez les bras et vous laissez votre cerveau vous orienter dans le sens négatif. Et ça, je ne le souhaite pas. Et je vous le redis, comme toujours, rien n'est impossible. Tout est acquis avec la volonté, avec la passion. Avec l'organisation et avec ça. Bonne journée ou bonne soirée. Ça dépend à quelle heure je vais partager cette vidéo. Et j'espère vous avoir aidé au moins un petit peu avec mes astuces et mes conseils. Et voilà, bisous, assalamu alaikum.